clic, clic, mec, tu sais, c'est Karim Leroy sur Rap City avec Chippy. On représente ça à fond. B2OBA avec Chippy le français. Sur qui es-tu, Chippy le français? B2OBA sur Rap City avec Chippy le français. Avec Chippy le français. Qu'est-ce Raph? Dédicace à toutes les Congolaises, tous les Congolais. Big up, la grande classe numéro 1. Hein, je suis avec Chippy le français. Ok, sur Rap, l'émission Rap City numéro 1 au Congo. Rrrr. Ok, bienvenue sur Rap City, bienvenue sur Dirt. On est très heureux de vous retrouver comme tous les samedis avec le même bonheur musical. L'émission c'est Rap City, présentée par votre âme, c'est chez Pile Français, depuis la place de Paris. Aujourd'hui c'est une émission spéciale parce qu'on va retrouver notre premier invité de cette année 2017. Il s'appelle Karim Leroy, il est là en interview aujourd'hui en exclusivité mondiale. Il vient nous parler de son album qui est sorti à la fin de l'année 2016. L'album est baptisé Adrénaline. Il vient nous parler de sa collaboration en duo avec le groupe IAM, avec Shiroken, avec donc le grand Akhenaton. Et il a collaboré avec beaucoup d'artistes. Il viendra nous parler de son actualité musicale dans quelques instants en interview. Karim Leroy, c'est notre invité aujourd'hui en interview en exclusivité mondiale. C'est qui avec les rimes des Bartos planqués sous le blouson qui débarque des bas-fonds? On va pas vu venir. Moi j'arrive sûrement, microphone gros son pour les mauvais garçons. Qui débarque des bas-fonds pour la baston. L'invisible, l'imprévisible, un poisson. C'est qui? C'est qui? Ok, donc comme je vous l'ai dit au début de cette émission, qu'on va recevoir donc l'une des figures emblématiques du rap. On peut dire c'est lui qui fait le pont entre le rap old school et le rap récent. Il s'appelle donc Karim Leroy, je donne l'exclusivité sur Rap City. Il vient nous parler précisément de son actualité musicale en 2017 et de la sortie de son album qui est sorti l'année dernière, en fin d'année dernière. Bienvenue Karim Leroy. Bienvenue à vous, hein, vous tous. Ok, donc on est très heureux de te retrouver. Moi personnellement, je t'ai vu que dans les clips à l'époque, avec Freeman, tout ça, tous les frangins d'IAM. Aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver. Donc un bref aperçu pour ceux qui te suivent pour la première fois sur Rap City. C'est qui Karim Leroy? T'as commencé le rap en quelle année? Comment a commencé ton histoire en quelques mots? Ok, ben ma discographie, c'était 96 avec le Soul Swing. Il y avait Faf La Rage, Def Bond. Après, il y a eu l'album Chronique de Mars, il y a eu la BO de Taxi 1, et il y a eu Communément, et ensuite il y a eu le gros album Palais de Justice avec Freeman. Et après j'ai enchaîné pas mal les tournées d'IAM avec l'école du micro d'argent, la plus grosse tournée d'IAM. Et après j'ai fait pas mal d'albums solo en indé, et aujourd'hui voilà, je suis là avec mon nouvel album. Okay. Qui s'appelle Adrénaline. Adrénaline, donc très bel album déjà. Et donc, on peut parler déjà des collaborations. Quels sont les artistes? Là, je vois Alonso et Al'Algerino. Et donc, comment s'est fait les collaborations? Ça s'est fait au feeling ou c'est Karim Leroy qui s'est dit bon, je vais collaborer avec un tel et un tel? Non, nous à Marseille, ça marche au feeling. Moi, tous les artistes qui en featuring sur mon album, c'est des gens qu'on se côtoie tout le temps. On est là depuis le début. Et voilà, quand il s'agit de faire un feat ou une collaboration, c'est naturel. Ça. Le gars, il est dispo, il vient en studio, on fait la collaboration. Et il y a aussi IAM aussi, avec Laura Luciano. Il y a un mec qui s'appelle Brahim qui fait du raga. Voilà, il est diversifié un peu mon album. Et tous les gars qui sont en featuring, c'est des gens qui ont vraiment voulu faire le truc parce qu'ils ont chanté, ils ont senti le feeling, voilà, ils sont venus pour ça. Camara, Karim Leroy, sombre en bas, on est là, on est là, Pierre-Moulin, on est là, c'est bien. T'as fait la bise au commissaire, ton haleine sans la poucave. Tu gardes, tu parles de nous, on a la réputation impeccable. Et toi sur le bas côté, y'a pas de place dans la décapotable. Y'a trop de jaloux sur mon terre. Dans le ghetto, les bookmakers font monter ma cote. T'as du pif, vas-y mise, c'est du one shot. T'as pas les reins solides, mon pote, cherche pas la barre et haute. C'est pour mes garçons, c'est mes soins, j'arrive, j'envoie la sauce. J'aime ta pousse, serre les dents, la pression. Sur mon terrain, y'a pas de bouffon, y'a que des attaquants. Attention, attention, le regard de travers. Ça fouette, ça claque, ça pète, fait place comme mauvais garçon. HM tu baves trop, HM tu parles trop. T'as pas les gros, le niveau, laisse tomber, ça sent le chaos. Y'a du lourd sur le capot, tu veux
veux ma place. Oh, c'est pour les gens violés, rageux et les mots. Comme ça, quels sont les thèmes que tu abordais dans cet album? C'est les thèmes du quotidien qu'on a l'habitude d'écouter chez les rappeurs, ou t'es sorti un peu de ton cocon de l'époque des années 80-2000 et où t'es resté dans le même style musical? Non, je pense pas que je suis resté dans le même style musical. Il y a l'évolution qui est là. Et bon. Après, au niveau beatmaker, dans cet album, c'est un peu mélangé. Il y a aussi des morceaux classiques. Je voulais un peu rester un peu, faire écouter un peu aux autres, la nouvelle génération, leur dire que regardez, nous on a commencé sur des beats comme ça. Après, il y a du classique, mais un peu renouvelle à la nouvelle sauce. Et j'ai fait un mélange. Et dans cet album, il y a beaucoup de morceaux à thème, comme j'aime bien les faire. Et après, il y a des morceaux festifs, des morceaux balades. Voilà, tu ressens vraiment le Marseille des purs, des ghettos. Et tu as d'autres morceaux comme Univers carcéral, qui est un morceau vraiment très profond, qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment du vécu, de mon entourage. Et voilà, c'est plein de mélanges, plein de morceaux comme ça. Et tu as le morceau avec IAM qui s'appelle Street sans nos plumes. Et c'est vraiment un morceau ego trip comme on aime bien les faire, comme on a débuté dans le rap, on a tous débuté dans l'ego trip. Ouais. Voilà, ben voilà, je suis revenu un peu en apportant un morceau comme ça aussi. Okay. C'est ça qui est important. Okay. Et donc aujourd'hui, on peut voir comme ça, depuis un petit moment, il y a beaucoup de rappeurs qui ont vu le jour, on ne citerait pas les noms. Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, Karim Leroy, avec la notoriété que tu as, parce que tu as traîné avec les grands, tu es parmi ceux qui, on peut dire, les pionniers de ce mouvement hip-hop marseillais. Et est-ce que tu es sûr aujourd'hui que cet album Adrénaline va imposer sa patte en 2017 dans le hip-hop français récent, parce qu'il y a plein de jeunes en ce moment qui ne laissent pas l'affaire? Ouais, bien sûr, attention, il y a la nouvelle génération qui ont fait, et depuis ça fait longtemps. Ils sont là, il y en a pas mal qui se sont sortis du lot, qui sont dans la lumière et tout. Ouais. Mais moi, j'arrive avec mon truc à moi et j'ai toujours mon public. C'est ça qui m'a donné la force de faire cet album, parce que j'ai fait des concerts et il y a de la demande. Les gens ils veulent encore m'entendre. Ils me demandent à chaque fois c'est quand ton nouvel album, et ça me donne la force d'écrire, de re-rentrer en studio. Et aujourd'hui, je sors cet album avec des morceaux de maintenant. Il y a des morceaux au niveau beatmaker et nouveau flow, il y a des trucs de maintenant. Et il y a des trucs un peu comme beaucoup de gens aiment. Bon, il y en a beaucoup qui aiment bien revenir à la source. Et c'est très important pour la nouvelle génération quand même. Faut un peu leur inculquer la culture, d'où ça vient, d'où c'est parti. C'est ça qui est important. Et donc nous sur Rap City, on aime bien les interviews, mais on aime aussi les clips. Mais s'il y a un clip que tu dois proposer, parce que je rappelle que l'émission elle est diffusée ici en France et en Afrique, précisément au Congo Brazzaville. Donc bonjour tous les gars de l'Afrique. La force est avec vous. Comme un gars il dit sur un morceau, la force vient d'Afrique. Ouais, c'est bien dit. Et donc quel est le morceau que tu peux leur dédier maintenant, extrait de l'album Adrénaline? Alors c'est le morceau Agent Dormant. Ouais, Agent Dormant. Et c'est une très bonne réalisation. Un gars qui s'appelle Snooze, qui fait des clips. On a fait vraiment un truc scénario, de film, une fiction. Voilà, et le morceau il te transporte, il est un peu dark, il est un peu... Ce clip-là, il me plaît très bien. Écoute, c'est l'agent dormant qui débarque, attention, je reviens des parfums. Lève-toi du milieu, je viens poser mon blason. Je te l'ai dit, je suis l'MC couleur café crème. C'est la merde dans les bacs, trop de wack MC. Ça se prend pour des cracks que des gagnes petits. Ça mérite qu'on les frappe, qu'on les claque. Sur mon track, là y'a pas de soucis. Dans le réseau, c'est la merde, c'est vraiment le boxon. Moi je suis, moi je sais où est passé mon son. Mais des blocs, des ghettos qui ramassent pas le savon. Pour l'éternement, celui qui met la pression. Moi ma zik c'est Marseille, la Casbah, écoute ça. C'est bouillant comme un mousse sous un djellabois. Ici c'est pas là-bas, ici c'est Masvada. Un œil de felaga qui te regarde de travers. Moi j'arrive doucement, microphone gros son. Pour les mauvais garçons, c'est qui? C'était à l'instant Karim Leroy en version clip sur Rap City, extrait de l'album. Donc Adrénaline a chopé donc dans les bacs ici à la Fnac, partout et sur iTunes. Donc allez télécharger cet album, très bel album avec plusieurs facettes. Franchement, c'est ce que j'ai aimé personnellement. Et donc, quand je vois le flow d'avant de Karim Leroy et de maintenant, on a l'impression que tu es comme un caméléon. Tu t'adaptes directement. Quel est ton secret? Le fait d'écouter les autres, ou quel est ton secret au fait? Non, moi mon secret c'est d'avoir écouté les grands. Ouais. Les grands rappeurs US. Ouais.
Ah ouais, c'est les Method Man, les Red Man, les Busta Rhyme, les Mobb Deep, les Jay-Z, les Eminem aussi, il est très fort. Et voilà, et moi j'ai toujours aimé la technique, le flow, j'ai toujours voulu jouer sur l'instru, voilà, et innover des trucs, ne pas avoir peur d'innover des nouveaux flows, de nouvelles techniques et tout ça. Et voilà, c'est ça qui est bien, qui est important, tu vois, c'est ça qui m'a permis un peu d'avoir mon petit truc à moi. Voilà. Et donc si on va parler du morceau, donc le dixième morceau donc de cet album, Street sans nos plumes, donc en collaboration avec Akhenaten, Shuriken, Faf La Rage et Laura Luciano. Je sais que c'est pas évident au studio, avoir donc ces poteaux autour de soi, tout le monde est lourd. Comment s'est passée l'ambiance au studio? Comment ça s'est passé? Oh, c'était une grosse pression, hein. C'est vrai, une montée d'adrénaline comme l'album. Mais c'est ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des trucs que beaucoup de gens m'ont dit, mais comment t'as fait pour réunir Laura Luciano et Ayam en même temps sur un même morceau, et comment t'as pu avoir cette magie-là? Parce qu'il n'y a personne qui a vraiment réuni les gars, un gars de l'AFF avec Ayam, tout ça, et ça fait longtemps qu'ils font plus de trucs ensemble, et tout, depuis Bad Boy de Marseille, et voilà. Et moi, je leur ai dit, voilà, la clé de tout ça, c'est le respect. Parce que moi, eux, ils me respectent, moi, je leur rends le truc. On se respecte entre nous, et c'est un certain respect. C'est pour ça que Laura Luciano a voulu venir, que Ayam a accepté, et Faf La Rage. Et ils m'ont dit, bon, c'est Karim Leroy quand même, les gars. Et c'est le frérot, voilà. Entre nous, on se respecte et tout. Et ils sont venus, j'étais trop content. Et dans le studio, c'était le feu. C'est à chaque fois qu'il fallait rentrer dans la cabine, on avait la pression. Passer derrière AKH, Shuriken, après, tu as Laura Luciano, j'ai un terrain d'assurer parce que sinon, tu as la pression à l'écriture, là. Mais bon, c'était fort en studio, c'était magique. Pour moi, j'étais trop content de réunir tous ces MC-là dans un morceau. Et c'était putain. J'ai réussi à le faire, c'est là où j'ai vu qu'il y a un certain respect entre nous. C'est ça qui est important, voilà. Okay. Et ça a donné un très bon morceau. Okay. Et donc, à quand le clip? Parce que vraiment, aujourd'hui, on 21e siècle, toi tu le sais, donc c'est le visuel. Là, tu as sorti quelques clips déjà, en 2017. À quand ce clip, donc le retrouver sur un clip, ça sera encore meilleur? À quand le clip? Peut-être dans un mois, dans deux mois? Non, pas de deux mois. Non, le problème, c'est que c'est la disponibilité des artistes maintenant, c'est un peu ce côté galère, la disponibilité. Parce que maintenant, certains artistes sont occupés, ou sont en studio, ou ils sont en tournée. Et on voit comme ça, dans ta carrière musicale, dans le passé, tu as collaboré avec Soprano, aujourd'hui qui est l'une des figures emblématiques du rap français, il faut le dire, et précisément du rap marseillais. Et aujourd'hui, sur cet album, on retrouve donc Alonso, qui est son poteau, depuis ce cas de la rime déjà. Comment ça se passe déjà? Parce que tu étais à l'époque avec Soprano, là tu te retrouves avec son frère, son collègue Alonso. Comment ça s'est passé déjà? Ouais, mais moi, à la base, je connais le groupe. Je connais les psychiatres de la rime. Mais je les ai connus de leur début. Ils n'étaient même pas connus. C'était des enfants. Je me rappelle, moi, il y a une anecdote. C'est que à l'époque, on avait une salle à Marseille qui s'appelait l'Espace Julien. C'était la salle où vraiment les jeunes rappeurs venaient se développer. Ils aimaient venir. Alors, dès qu'ils voyaient une tête d'affiche, comme nous, à l'époque, on était les têtes d'affiche avec la FF, Troisième Œil, Ayam et tout. Et il y avait les petits gamins qui étaient en bas, qui rêvait de manger le micro. Et voilà, une fois on a chopé un Soprano, on l'a tiré comme ça, on l'a monté sur la scène sur son petit sac à dos là. Il venait, il avait le style à Eminem là, je me rappelle, là, il roulait des mots là. Et on lui a donné le micro, il a pas lâché le micro, il a mangé le micro. Là, ce petit il est bon là. Et regarde aujourd'hui il est au-dessus de nous. Mais moi, c'est ce qui est bien, moi ce que je suis content, c'est que voilà, à l'époque il était rien, on lui a donné la main, on l'a monté sur scène, il a rappé, il s'est défoncé. Et il a du mérite, ce petit, parce qu'il est parti de rien. Il vient, ce petit jeune de cité, comme il y en a des millions dans les cités de France, dans le monde même en Afrique. Je suis sûr qu'il doit y avoir des tueurs, il y a des talents de partout. Il faut suffire juste de leur tendre la main, c'est gratuit. Tu leur donnes pas de l'argent, tu leur dis, eh bien, tiens, prends le micro. Et ça fait plus, ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, tu leur dis, est-ce que je peux faire une première partie? Est-ce que je peux jouer un morceau sur... Ah non, on peut pas, la maison de disque, elle veut pas. Eh non, et c'est nous, on a payé le concert. Alors, si on voilà, les gens, ils sont devenus individuels. Avant, on avait cette solidarité. Et moi, aujourd'hui, je le ressens. Ça me fait drôle quand même. Il n'y a plus ce truc qui se fait naturellement, tu vois. Tu vas voir un artiste,
Tu es là, il sait que tu rappes, il sait que tu es bon. Normalement, il te voit en bas sur le public, il dit hey, les gars, bon, je vais faire monter un gars à moi, je vais lui faire un petit freestyle et tout. Putain, il n'y a plus cette magie là, les gars. Comment, oh, les petits galères, là, il faut les faire monter. C'est dur de leur faire faire des scènes et tout. Il faut arrêter de dire ouais, la maison disque, elle a payé. Moi, je suis venu que pour moi, pour faire ma promo à moi. Et là, les gars, le hip-hop, c'est pas ça. À la base, c'est le partage. On a perdu ça, c'est dommage. Parce que nous, on le faisait. Moi, si on ne m'aurait pas tendu la main, quand j'ai commencé à rapper ou Faflara, je me disais monte sur scène ou Akhenaton, Shuriken, elle vient, petit monde, tiens, prends le micro. Et je faisais des Karim Leroy, nanana. Je serais pas aujourd'hui Karim Leroy, tu vois. Et moi, je retransmets ça. Ça m'arrive de faire monter des gars et tout ça. Mais moi, j'ai envie que les grosses têtes d'affiche là, qui sont là dans la lumière aujourd'hui, il y a des petits jeunes là, les gars, donnez-leur la main, montez-les sur scène. Ne commence pas à les dire, faut que tu payes pour faire un featuring, faut que tu payes pour faire ma première partie. Ouais. Bah, arrêtez, les gars. Oh, voilà. Moi, c'est un cri de colère, ça. Moi, j'ai la rage. C'est pour ça que ça me sort des tripes, parce que je l'ai fait, ça. Et quand je vois que les gens qui sont aujourd'hui, ils le font pas, ouais, je me dis putain, mais il va pas te manger ton pain, il va prendre 5 minutes de ton temps pour qu'il chante, il a le plaisir de chanter devant du monde. Donne-lui cette chance là, putain, bordel. Et les gars, si vous m'écoutez, faites-le ça. C'est vrai, bah, attendez, ça coûte rien de faire monter des petits jeunes, ils ont faim, ils ont du talent, donnez-leur leur chance. Voilà, stop. Y'a que nos mômes qui ont le droit de baver sur nous. Franchement, tu nous rends fous. Tu fais trop le cacou. Tu mérites des coups. Ton rap est plus mort que les cacous. A vous, procure que ton rap ne tient pas debout. Mets-toi en joue que mon gun vient tirer son coup. Ton bras toujours sur les bons coups. Écoute comme mon rap te tombe dessus. Tu comprends de suite que le niveau est au-dessus. Déçu de voir que tu le prends mal quand je rappe sur ton style qui pue. Comprends que je ne serai jamais de ces kings des chutes. Si on te choque, t'es fichu. Tu peux, mais tu peux. Arrête de chaquer. Tu peux, mais tu peux. On a la vie putain touchable, implacable, impeccable. Tu peux, mais tu peux. On a lâché la chaîne, donc t'aimes les jaloux, on la bouche pleine. Tu peux, mais tu peux. Et donc Karim Leroy, merci d'être venu sur Rapidity, hein. Donc bonne continuation à toi, à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Dès que tu viens sur Paris pour un concert choqué, je vous fais signe, on est ensemble. Et l'album Adrénaline, très très lourd, va choper, moi-même tu sais, yes. Karim Leroy, très lourd, de retour. Il est trop tard pour réagir et te repentir. Aucun remords sur ton cadavre, je suis reparti. Oh S.O.L.O. sur Bête Croco, pour les ro-ro, quand le sang chaud.